Tu vois, il a freiné. Ouais, bah moi je le mets là. Là, comment dire, on est en train de descendre les poubelles avant de partir. Je te montre. Allez, feu, on va être en retard. Ça tient là, c'est là. Ok. Ça tient là. Impeccable. Regarde, on est tellement malin, on a un beau support téléphone. Impeccable, hein? Everything changes. Ah, ça, ça je comprends pas que voilà, oui. Faut pas lui mettre une peinture Mais qu'est-ce qu'elle a? Bon, là on récupère Chloé, mais. Mais la pauvre! Des skis! Moi j'espère un gros truc sur les petits traits. Elle va pas dormir là-dessus, la pauvre! Bon, c'est bon, tout le matériel est bien rentré. À mon avis, il va peut-être falloir. Non, non, mais là, ça peut pas aller, Maxime, les skis, je peux pas passer la vitesse. Impeccable, non? On est ça va, Chloé? Ah, mais super là, on est à l'aise. On est arrivé à Champs-Rousses. Et en fait, eh ben, on devait pas aller à Champs-Rousses parce que les clés de l'appartement sont à une demi-heure de l'appartement. Allez, c'est reparti pour 25 minutes de route. T'es content, hein? À cause de ta faute. Vas-y, raconte la péripétie. Je vais l'autre grosse de propriétaire a pas précisé qu'il y avait une boîte à clés. Du coup, on est monté pour redescendre chercher les clés pour qu'elle nous dise qu'en fait, il y avait une boîte à clés qu'on n'avait pas besoin de redescendre. Du coup, elle mérite de se... Et tout le monde est unanime avec moi. Je suis mort. Bon, ça y est, on est enfin bien arrivé. Il y a 5 étages et on ne sait pas où se trouve la boîte à clé. Bon, viens, on descend à pied. Et on ne sait pas où est la boîte à clé, on ne sait pas quel appartement on a. Impeccable. Est-ce que vous pouvez chercher votre plus grand casque que vous avez? Oui. Mais le plus grand, c'est... Oui. Vous en auriez, vous serez les premiers dans un. Regarde, regarde. Je peux tirer sur la languette. Sors de là. Sors de là. Tu auras pris une leçon. Enlève ta chaussure. Mets-toi debout. Tu prends ça. Tu prends ça. Hop, t'es carré. Ah, sur le côté, ok. Ok. Au moins, t'as appris quelque chose aujourd'hui. Ouais. Je me coucherai moins bête. J'aimerais bien vous dire, regardez comment c'est joli, mais je pense qu'on verra pas grand-chose à la caméra. Ça va être trop beau. Bah on va là-bas. Là, les gars, on part en opération secrète. Alors, comment vous dire? Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. On va vous montrer un peu plus loin. Regardez ce qu'il y a juste là. Objectif, rentrer. C'est où qu'on est? Et ben voilà, opération gagnée. Regardez. Piscine. C'est quoi ça? Vincent? On a réussi, non? Bah oui. Il y a hop là. Impeccable. Après la petite séance de piscine, le réconfort. On peut parler Mondor et les copains arrivent. Dites bonsoir les copains qui nous ont rejoints. Bonsoir. Bonsoir. T'es content, gros sauce? Oui. Bonjour, c'est le petit matin. Dites bonjour les handicapés. Bonjour les handicapés. Putain, elle me casse les couilles. Putain, on t'attend que toi là. Mais Jade, mais faut se calmer. C'est ton mieux que les loutiques. Oui. Pour faire un topo de la situation, on a perdu le groupe, on est tout seul avec Chloé. Donc là, on va essayer tant bien que mal de les retrouver. Size
Vous avez vu l'heure? T'as vu l'heure, Maxime, là? Bah ouais, c'est l'heure de l'apéro. Ouais. Ça fait quoi ta première fois? C'est pas ma première fois. Ah bon? Ah mais dans ça, là, dans l'œuf. La première fois dans l'œuf, là. C'est bizarre, il vibre pas celui-là. Tiens, mais oh! Il est bon? Super bon, vos sandwichs de merde, hein? Il y a quelqu'un qui a oublié de mettre le jambon, je crois, dedans. Vous avez oublié le pâté pour le casse-croûte, le jambon, le fromage dans. Non, vous avez dit ton sac est fait. Non, vous avez dit ton sac est fait. Tiens, je te donne le mien. Merci, Nassim. Ouais, bah, tu fais quoi? Oh, oh la peine! C'est 17h, on a fini le ski et là on va retourner à la piscine. Et hier, du coup, on a trouvé le moyen de rentrer. Regardez ce qu'on a trouvé. Il y a quelqu'un qui a malencontreusement oublié ses clés. Non, c'est pas privé. Oh putain! Vincent, on est où là? À la Cipine. Allez, vas-y, Cipine. On est au restaurant. Je m'identifie comme ça, je pars. Ce soir, l'objectif, c'est d'aller faire de la luge. Sauf qu'on n'a pas de luge et qu'il est 20h30. Enlevez-vous! Bonjour, on est dimanche et c'est parti pour une nouvelle journée de ski. Bon, alors là on va rigoler. Vous voyez le saut? Vincent va essayer de le prendre. Mais déjà il se planche pas, regarde, il est tout droit comme un i. Penche-toi! Non mais, tu vois, il a freiné. Attends, on va aller voir. Ah, c'est pas cool. Ça va? Attends, on va bloquer là-bas pour pas quelqu'un arrive. Ça va? Non, pas trop, Max. Couche-toi. Enlève ton sac. Attends. Enlève-le. Attends. Enlève ton bras. Je vais détendre ton... Enlève mon bâton. Non mais arrête de filmer, c'est bon. Tu seras content dans 6 mois quand t'auras les souvenirs. Ah, ah, tu t'es enculé. Va te mettre là-bas devant Chou, vite. Enlève le bâton. Putain, t'as écrasé le pâté, t'es content? Couche-toi. Voilà, fais ça. Ah bah tu... Je vais faire une pause 5 minutes. La suite dans le prochain épisode. T'as du
Bon, le topo, on a appelé les secours. Parce que notre Vincent, il est vraiment pas en état. Comment ça va, Vincent? Bon, ça va. Hein, tu vois la neige, t'es aussi blanc. Ah, bah écoute, c'est bien. Hein. En fait, c'est plus au niveau de la fesse, quoi. Non, vraiment de la hanche. Là, ouais. Là? Ouais, ouais. Allez. Attention pour lever. Lever. Allez, fais suivre. Allez. Ouais, pas plus, pas plus. Allez. Et en fait, c'est que j'ai une très bonne mutuelle. Si, on va très bien. Et en fait, c'est que les orthèses, ça vaut 600 balles la paire. Je fais du motocross à côté. Attends, on peut croiser comme ça, ça va te mettre. Et ça fait 600, ça vaut 600 euros la paire. Et avec la mutuelle, ça me fait payer 22 euros. On s'en fait des prises. Et j'ai dit, ça peut éventuellement servir en ski. Ok, ça va. Vincent, pas le conduite. Ouais. Fais coucou, Vincent. Au revoir, Vincent. Tu veux reculer comme ça? Bon, topo des choses. Nous, on mange. Vincent, il est à l'hôpital. Donc, petite dédicace à Vincent. Très bon le pâté que t'as oublié hier. On a fini de skier tranquillement. Vincent donc est parti à Grenoble, à l'hôpital. Là, on lui apporte des affaires. Et puis, bah, fin de parcours pour lui et fin de week-end pour nous. Bisous, bisous. La suite dans le prochain épisode.